Il y a un petit groupe d'anciens, pas par là, hein, pas que, a décidé d'établir une charte et un règlement. Et nous avons une charte unique, c'est que désormais, chacun d'entre vous, j'ai pu le constater, se l'est non seulement approprié, mais la défend en permanence. Désormais, même, elle circule en Angleterre. Et même dans le monde entier maintenant, puisque grâce à l'anglais, tout le monde veut lire la, il y a dit la charte. C'est international. À mes yeux, pour cette historique, un deuxième élément devait s'imposer à nous, c'était l'identification du groupe, qui a été fait à 90% avec les papiers 45. Nous verrons tout à l'heure pourquoi je dis 90% et non pas 100%. Le dernier élément essentiel à mes yeux était celui de nous permettre d'établir une communication rapide. Dans un premier temps, ce fut la messagerie électronique, vous vous rappelez, mais messagerie électronique de chacun d'entre nous. Bon, bien sûr, il y a encore quelques ringards, entre guillemets, qui n'ont toujours pas Internet, sur lequel est d'entre nous, et depuis peu, notre site Internet, sur lequel je reviendrai tout à l'heure également. Sachant qu'en termes de communication, notre groupe s'est pratiquement multiplié par deux. On n'est pas, aujourd'hui, on est 70 dans le fichier. Pratiquement multiplié par deux, puisqu'un grand nombre de papy 45 font entière confiance dans leur conjoint ou compagne pour utiliser